Oui. Je suis mécanicien. Je suis mécanicien et je travaille pour le ministère de la Défense. Voilà. Il faut bien vivre. Oui. Il faut bien vivre. Oui. Et voilà. Oui, très bien. Je milite beaucoup au parti. Je suis le secrétaire de section du Kremlin-Bicêtre. Oh, et okay. Voilà. Elle est très active, cette. On est assez actif, ouais. C'est une section, c'était une petite section qui s'agrandit au fil des ans. Et voilà, on mène notre petit bout de chemin et ça se passe bien. Voilà. Et puis là, dans cette campagne, on s'éclate. Voilà, on prend du plaisir. Il y a un bon écho dans la population. Et voilà. Et alors. On le voit partout dans Paris. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous travaillez? Ah bah nous, on est militants à l'AJC, au Mouvement des Jeunes Communistes de France. Oui. Donc voilà, on est une organisation politique de jeunesse. Oui, mais tout le monde sait ce que c'est. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah bah moi, je fais... nous, on fait partie du Val-de-Marne, donc oui, le département Val-de-Marne. Qu'est-ce que tu travailles dans la vie? Ah, dans la vie, moi, je suis éducateur spécialisé. Oui. Donc voilà, je travaille dans un foyer avec des jeunes enfants. Oui. Pour l'instant, des jeunes enfants qui sont placés en foyer, mais... On peut travailler un peu partout, quoi. C'est, oui. Dans les milieux du social, quoi. Oui, d'accord. Donc, voilà. Et lui, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Dans la vie, aujourd'hui, je suis surveillant dans un collège. Oui, parce que tu étudies, en fait. J'ai fini mes études l'année dernière et j'ai trouvé un travail, je commence en mai, voilà. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais travailler dans un service financier pour une mairie. Oh les pauvres, toute une génération perdue dans les finances. Ah, il faut quand même travailler. Mais ça va, c'est pour oui. Une mairie communiste. C'est pour une mairie communiste. Oui, bien. C'est des financements intéressants, on va dire. Oui, donc, espérons. Oui. Ah, j'ai un peu chargé hier déjà. Du scotch? On a que ça. On a plus que ça. Et du marron, ouais. Et donc oui, je m'appelle Mickaël, voilà, et je suis du Kremlin-Bicêtre. Comment la nana qu'on a fait le... Bah, elle s'est barrée, alors tu sais, après pour la suivre... Et tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Jalis. Jalis. Et toi? Nicolas, d'accord. Vous n'avez pas la queue? Vous venez d'où? Bonjour. Bonjour. Et vous militez aussi? Oui, au Kremlin-Bicêtre avec Mickaël. Oui. Je crois que ça va Voilà. Et vous travaillez quoi? Je suis fonctionnaire territorial, je travaille en mairie. Dans la mairie du Kremlin-Bicêtre. Donc vous êtes tous du Kremlin-Bicêtre? Voilà, ce stand-là il est du Kremlin-Bicêtre, oui. D'accord. Tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux je te dise? On est là pour changer la société, pour chercher en tous les cas avec le plus de monde possible à trouver des solutions à cette société aujourd'hui qui ne donne pas sa place à tout le monde. Voilà, et nous on pense que tout le monde doit y avoir sa place, chacun doit y trouver son compte, mais c'est en allant chercher des réponses collectives que chacun y trouvera son compte. Oui, mais tu crois que par les élections, on trouvera une solution? Il n'y a pas que dans les élections, il y a la lutte. Voilà, je pense que les deux sont indissociables. La lutte, arrive à un moment, elle doit se traduire dans les élections, elle doit se traduire sur des lois, sur ce genre de choses, quoi. Aujourd'hui, par exemple, la finance, il faut l'encadrer par des lois. Ah, parce qu'elle permet comme ça, parce que nous on manifeste qu'on l'encadre, parce qu'on vote qu'on va l'encadrer. Tu crois ça? Bah, en tous les cas, nous on a un programme. On a un programme pour chercher à encadrer ça. Donc après, voilà, on cherche à le mettre en débat avec la population, avec le plus de gens qui sont intéressés par ces idées d'encadrer, en tous les cas, de dire que le capitalisme aujourd'hui ne donne plus satisfaction aux besoins humains, aux besoins de tous. Et donc, voilà. Il faut être au cœur des luttes et c'est ce que le Front de Gauche aujourd'hui y représente. On est au cœur des luttes, on est avec les ouvriers parce que on est dans les luttes avec les ouvriers parce que les ouvriers c'est nous. Voilà, on est là, on représente ceux qui se battent. Voilà, parce qu'on se bat avec eux dans nos vies, voilà. Mais depuis 2009, quand j'avais filmé plusieurs manifestations, oui. On a fermé entre-temps les usines. Ah oui, ça c'est sûr que les usines, ça y va, on désindustrialise, on fait une société de service où on vend plus que de la... Oui, on sait, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des taxes anti-délocalisation. Non, voilà. Tu crois ça? Tu crois que des taxes? Je sais pas, il faut taxer les grandes entreprises. Ben, je sais pas moi. Je suis fatigué, vous savez, je suis là, ça me. Je suis fatigué. Tiens, est-ce que je fais que ça? Je sais pas, ce que tu veux. C'est pas mal. Quoi? Alors? Alors, vous êtes où, où devez être où dans la manif? Moi, j'ai parti de gauche unitaire. Oui. Donc voilà, et il y a un cortège jeune. Oui. On est dans le cortège jeune. Ah. Donc voilà. Je viens de Nancy. D'où? Nancy. D'accord. Ici. Ici, mais c'est un peu. Un petit ballon. Oui, je sais pas. Vous savez, c'est ça qui lui a tout ouvert. Oui. Moi, je, pour l'instant, je suis rien du tout. Je suis venue comme ça. Je voterai Jean-Luc Mélenchon, mais je suis ancienne anarchiste. Voilà. Et j'ai décidé de changer. Vous voulez la 6e République? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Oui. Ah oui, oui. Mais avec Jean-Luc. Oui. Pas avec les autres. Oui. Oh. Si, si, si. Ah ben, c'est ce qui a été dit, qu'ils ne votaient pas Front de Gauche. Oui, il y en a un. Mais tu fermes une usine, tu ouvres un camp de concentration, c'est simple. Ah bon? Vous êtes si présent qu'on est heureux. Je veux le
changement. Oui. Je veux que tout le monde vive bien et heureux. Voilà. Oui. Dans la paix et le bonheur, et la joie et la bonne humeur. Et vous croyez qu'avec des élections, on y arrivera? C'est une étape, c'est une étape. C'est que le début. C'est que le début encore et encore. Et oui, mais le début, il dure depuis longtemps. Ah, l'histoire humaine est longue, très longue. Voilà. Mais des fois, il y a des rebondissements dans l'histoire. Et je pense qu'on est en train d'en vivre un. Voilà. On peut se tendre à des actions après les élections, c'est ça? Mais ça ne s'arrête pas. Les élections ne sont qu'une étape, qu'un point de départ pour aller vers le mieux. Voilà. Et vous faites quoi? Alors moi, je suis un militant de base, un citoyen engagé. Et sinon, vous travaillez? Non, moi, je suis retraité. Voilà. Déjà? Eh oui, déjà, oh, oui. Oh. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez avant? Je conduisais les trains. Oh! Voilà. Un beau métier. Bon. Voilà. Angoulême, ouais, c'est Bordeaux, ça. Bordeaux, ouais. Moi je suis de Libourne, c'est pour ça. Voilà, j'ai sévi à Bordeaux. Ah, d'accord. J'ai sévi partout. À Paris aussi. D'accord. Voilà. Elle est du. Alors, Didier Le Reste, c'est quel arrondissement alors? Non. Comment? Au 20e. Le 20e arrondissement, oui. Voilà, très bien. Voilà. Vous faites quoi? Vous étudiez? Moi je suis en thèse. Oui, sur quoi? Sur la biologie marine. Sur quoi? Biologie marine. Oh, bravo. Ça, c'est du sérieux. On peut compter sur toi. Et vous êtes communiste? Oui. Oui. Ah, voilà. Voilà. Ils font des cadres. Elle est belle, la photo? Hein? Elle est belle, la photo? Ah oui, oui, oui. 15 euros. Et vous l'avez. Et vous êtes d'où? 10 euros. D'Orléans. Orléans. Orléans, Tours, Vierzon. Et qu'est-ce que vous faites? On est des cheminots. Ah! Voilà. Et à la CGT Plus. En plus. Oui, j'ai vu une affiche. Non, non, non. Bah, regarde la fiche, hein. Tiens, bien joué, hein. Bon, bon matin. Bien joué, Jacques Charles. Tu vas aller chez Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? 13 ans. La politique et la République pour de vrai. Je sais pas. Si, tu sais. Si. La liberté, égalité, fraternité. C'est quoi? C'est la République. Est-ce qu'il y en a? Suffisamment? Non. Et voilà. Sur nos auberges, les chapelets, la calotte, tour et dents, vos tabernacles, tour et dents, vos tabernacles. La loi Bachetot et sa sainteté, duplicité, complicité, faut les virer, duplicité, complicité. On veut des sous pour l'hôpital, il y en a plein les poches des banquiers, faut leur piquer, il y en a plein les poches des banquiers. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
C'est tout ensemble qu'on va gagner des nouveaux centres d'IVG et aussi des maternités dans les hôpitaux de proximité. Fini la casse sur l'hôpital, service public, égalité, service privé pour les femmes. Ah, quand la paille et le cachot pour le sarco et ses blaireaux, ses profiteurs et ses gavés qui font taper sur les polos. Ah, quand la paille et le cachot pour le sarco et ses blaireaux. On lâche rien. On lâche rien. Féministe aujourd'hui, moi quand je vois tous ces bourgeoises, oui, je trouve que je ne vais pas militer pour... Ah mais moi je milite pas pour les bourgeoises, les droits des bourgeoises, je milite pour les droits... des femmes populaires, des quartiers populaires qui aujourd'hui sont les plus précaires, qui subissent toutes les discriminations. Tu milites, tu es quoi toi ? Moi je suis secrétaire nationale du parti de gauche à l'égalité femmes-hommes et je m'occupe du front de gauche féministe. Voilà. Campagne, ta campagne. Non, c'est moi, je leur ai donné des idées. Ouais, ouais. Non, j'en ai plus, j'ai utilisé les trois là. J'avais. Tu voulais un. Ah, sinon, on en a une autre, c'est. On l'aime bien, le front de gauche. Il est grand et rassembleur. Qui ça, le front de gauche ? Ouh, ça, Bastille. Bon, vous n'avez pas de monnaie là. Oui, j'en ai plein de coffres. Tiens, tu veux ça ? Ah oui, je veux bien des bases. Ah. Mais dis donc. Bon, maintenant, plus cher, pas plus cher. Bah, toujours plus. Voilà. On a la riposte. Oui. Il y a quoi dedans ? Donc c'est les analyses marxistes, le journal La Riposte. Mais quel marxisme ? Il y a plusieurs. Non, non, attention, je tiens à préciser, le marxisme, il y a le marxisme, il n'y a pas les marxismes. Donc voilà, il faut que ça soit dit. Voilà, la caméra est en train de me filmer et j'affirme ça. La presse communiste, demandez La Riposte. Et les communistes. Le meilleur journal marxiste de Paris. Le monde du travail, toujours. La politique française. Encore les élections. En fait, la manif. Ce qui se passe dans le monde. Et de la théorie économique de Karl Marx. Il faut l'acheter. Non, elle filme pour pas avoir à le payer. Après, elle le lit sur sa télé. Regardez, vous étiez sur la riposte. Voilà. Demandez le journal. Ah, qu'est-ce que c'est, la fin ? La fin ? Oh, je ne connais pas ça. Alors, tu nous le prends ? 2 euros ou 3 euros prix de soutien, la riposte. J'ai pas un sou. Aujourd'hui, c'est la commune. Oui. Aujourd'hui. Oui, je sais. Vous n'auriez pas un portable ? Le mien ne marche pas, je dois appeler ma femme. Non, je n'ai jamais eu de portable. D'accord, ok. Ah. Et il y a quoi dans le journal ? Voilà, il y a un article sur la journée d'aujourd'hui. Mon portable ne marche pas. C'est lui qui écrit. Donc, oui, je suis avec le monsieur. Voilà. Dans le démarrage du défilé, c'est-à-dire... Bon, bah, c'est bien. Bravo. Bon. Allez, mais c'est bien. Moi, je vais commencer à refiler de l'autre bord. Bah, écoute, faut que tu travailles. Hein ? Tu travailles ? Bah, faut que je travaille. Faut que je vois un peu ce qui se passe, quoi. Hein. Et puis... ouais, mais bah, enfin, bon... Merci infiniment. Voilà. Qu'est-ce que vous lui dites ? Les peuples se réveillent. Ah. Avec accent patois charenté du sud. Hein. Mais vachement du sud et de l'ouest quand même. Oui.
Moi, je suis de la Fédération de l'agroalimentaire et on soutient les camarades de Fralib à Gémenos contre la fermeture de leur usine. Hein, c'est le groupe Unilever qui est le premier agroalimentaire au monde et qui a décidé de supprimer 185 emplois. Et donc, les camarades sont à leur 560e jour de grève. Ah oui ? Oui. Depuis quand ? Depuis plus d'un an. Uh-huh. Plus d'un an et demi, ils sont en grève, ils occupent l'usine pour le maintien de l'activité. Et ils ont des propositions économiques pour relancer une activité sous la marque L'Éléphant, qui est la marque française et qui est vieille de plus de 100 ans. Et aucune coopérative n'est possible ? Pas de coopérative, pas de... Il faut que Unilever paye. Les camarades veulent reprendre l'activité du site, mais pour cela, on veut que Unilever paye et que l'activité reprenne sous la marque Éléphant, où les salariés seront y compris gestionnaires et développeront l'entreprise. Et il ne peut pas reprendre l'activité en coopérative. Alors pour ça, il faut évidemment des moyens, hein, parce qu'Unilever maîtrise l'approvisionnement du thé et la distribution du thé. Uh-huh. Donc il faut qu'Unilever apporte ses créneaux aux salariés de Gémenos. Alors, comment tu vois après les élections les choses ? Alors, après les élections, il faudra continuer la bataille. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire barrage à Sarkozy. Hein, ça, c'est clair et net. Alors, pour les salariés de Fralib, mais pour tous les travailleurs en France, et les privés d'emploi et les retraités, c'est un non à Sarkozy, qui déstructure toutes les garanties sociales. Comment ? Maryse. Alors comment non, mais faut pas prendre un gros plan comme ça. Comment se présentent les luttes ? Les luttes, elles se présenteront d'autant mieux qu'on sera unitaire. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. C'est quoi le message ? Les luttes se présenteront et se porteront d'autant mieux qu'elles seront le plus unitaires possible. C'est ça notre message aujourd'hui. Oui, et vous êtes unis avec Et donc nous on propose des actions et on invite tous ceux qui partagent nos convictions à nous rejoindre, pas solidaires, mais dans les luttes. Voilà le message d'aujourd'hui. D'accord. Où vous êtes ? Je suis à la retraite. Avant ? Ah, avant, j'étais technicien. Oui. C'est un reportage. Et les ouvriers devaient venir aujourd'hui. Ils sont venus ? Qui ça ? Les ouvriers. Bah, il y en a partout. Ils arrivent là, il y en a... Ah oui, tu crois ? Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Attendez un peu, vous allez les voir. Vous le direz quand je pourrai moi. Oui, vous pouvez bouger. Oui. Il y a autre chose. Ah oui. Bien. Oui. D'habitude, non. Alors, les jeunes communistes, bonjour. 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 Alors, vous êtes combien ? Là, tout de suite, on est 6. Et en France ? En France, y a 1300 adhérents au Parti communiste à peu près. Mais, et combien d'étudiants il y a en France ?
sais pas. Pas énormément, mais ça va changer. Des étudiants au PCF. Des étudiants. Ah, bah il en a encore au parti communiste. Non, en général. Mais des étudiants, déjà. 300 000, je crois. Maxi, tiens. Non, à mon avis, c'est par million que ça se compte, les étudiants en France. C'est par million d'étudiants en tout. Alors, quel est votre projet? Pardon? Le projet des jeunes communistes, qu'est-ce que c'est? Bah, là, déjà, aujourd'hui, c'est essentiellement pour une 6ème République. Et puis un projet pas communiste. Je vous présente votre porte-parole. Oui, mais ça va, ça va où la vidéo? Non, ne en fait, t'inquiète pas. C'est pas seulement des communistes, c'est aussi tout un front de gauche qui représente une alternative au Parti Socialiste qui est beaucoup plus social-libéral. Quel est le projet? Le projet, eh ben, on ne veut pas de capitalisme, on ne veut pas de libéralisme, et on veut une économie sociale, solidaire, et de l'égalité pour tous, de la justice, et un droit à la dignité, de vivre dans le minimum nécessaire au moins. Voilà, et tu t'appelles comment? Zoé. Bien. Et tu étudies en tant que quoi? Je fais de la philo et des sciences politiques à la Sorbonne. Ah, bien. De Toulon, Yves de Toulon. Et vous êtes venu pour la manifestation? Ah oui, on s'est levé à 3h30 ce matin. Ah. Oui. Et on rentre à minuit. Bah oui, ah, il faut bien ça. Et vous faisiez quoi avant? Journaliste. Ah. À Radio Galère à Marseille. Ah. Bien.
j'ai un garage, hein, si tu veux, je peux t'abriter. Alors là, je te dis le reste. Bon. Ah bah oui. Une information. Des rapports au milieu, hein. Bon, bon, alors, c'est donne bon. Des rapports au milieu. Bah, tu me l'as déjà... Qu'est-ce que c'est? Dis le reste. Bonjour. Explique-moi, qu'est-ce que c'est? Le front de gauche. Oui. Ça y est, bon, Sarkozy va me voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après les élections? Eh bien, on va continuer à se battre pour les revendications sociales, pour les revendications démocratiques, quelle que soit l'issue des élections. Ce n'est pas les batailles qui vont manquer. Se battre contre les traités européens, se battre pour les salaires, pour l'emploi. Mais comment se battre? Battre aussi. Se battre, c'est-à-dire créer les conditions des mobilisations sociales. Et puis... faire en sorte que les députés de gauche et du front de gauche à l'Assemblée nationale votent les lois pour s'attaquer à la finance, par exemple. Parce que vous croyez que les lois vont changer quelque chose? Oui, ah bah oui. Ah oui, parce qu'en Europe, ça a changé quelque part. Parce que je pense que les députés sont là pour voter des lois, et des lois qui favorisent les salariés, qui favorisent les jeunes, les chômeurs. Et donc, en Europe, ça a changé quelque chose quand on a voté des lois? Bah, l'Europe est dominée par les libéraux et par les sociolibéraux, donc effectivement, l'Europe aujourd'hui ne construit pas des lois qui sont favorables aux salariés. Puisque tous les gouvernements européens sont pour l'austérité, que ça aille du PASOK grec jusqu'à la CDU en Allemagne, les partis de droite et les partis social-démocrates défendent l'austérité européenne. Et nous, on est absolument hostile à ça, et on pense qu'il faut s'attaquer à la finance, et par exemple en France, créer un pôle financier public qui permette de lutter efficacement contre la finance. D'après les économistes, ça ne suffit pas, le pôle. Ça veut dire que tu ne peux pas le gérer dans un pays où le capital appartient, toutes les banques appartiennent, sont privées. Oui, je pense qu'on peut faire un pôle financier public dans un pays comme la France et ensuite développer ça au niveau européen de telle façon que la France ne reste pas isolée avec un pôle financier public, mais qu'il y ait un pôle financier public européen. Donc je pense que les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Anglais vont nous regarder si on est capable de mettre en place une législation favorable aux salariés. Et comme quoi les financiers vont le permettre? S'ils ne le permettent pas, on leur imposera. On leur imposera ça. Comment? Les lois sont faites pour ça. Et les lois sont faites pour être appliquées. Donc il faudra que les députés français votent des lois contre la finance internationale. Et donc se donner les moyens de les faire appliquer. Voilà. Quand il y a eu la nationalisation des grands groupes industriels à la Libération, les entreprises privées n'étaient pas d'accord. Il y a eu une loi, elle a été votée au Parlement, elle a été appliquée. Il y a eu la nationalisation des grands groupes financiers et des grands groupes économiques à la Libération. Donc on peut le faire. C'est une question de volonté politique. Le béton a été rompu par une guerre, la Seconde Guerre mondiale. Oui. Le béton financier a été rompu pour quelques décennies. Mais maintenant, si vous croyez que par des vœux et des lois, vous pouvez changer quelque chose, à mon avis, il n'y a que la lutte qui paye. Les luttes et les lois, bien sûr. Il faudra que toutes les avancées démocratiques à l'Assemblée nationale, elles soient aussi en conjonction avec les mobilisations sociales. Et voilà, et comment on fait ? Il faut les deux. C'est pour ça que nous, on parle de changement politique, à la fois dans les urnes et dans les luttes. Parce qu'on considère que l'un sans l'autre ne peut pas gagner. On est d'accord. Et vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Jean-Michel. Comment ? Jean-Michel Tarin.
Oui, et qu'est-ce que vous... Je suis candidat du Front de Gauche sur une circonscription des Hauts-de-Seine, dans Asnières, Colombes Sud. Voilà. Bien. Faites gaffe, les vols de documents, hein, faut... Oh là 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 là. Oh là là. Les pics de documents, faites gaffe, hein. Oh là 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 là. Oh là là là. Bien. Allez. Il va falloir te tuer, toi. Ça va? Ouais. Hein? Tu crois qu'ils vont t'achever? Non, on a du mal, hein. Bon, ça va. Qui m'achèveront, ouais, je sais, malheureusement. Qui va vous achever, alors? Qui va vous achever? Bah, la maladie, hein. L'âge. L'âge, la maladie, hein. Ça te fait quel âge, t'as maintenant? Bah, je cours sur mes 79. Ah bon? Dans 26 mois. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Bien ce qui me semblait. Et quand je te voyais faire la gueule à Renault. J'ai les deux jambes. Ah oui. J'ai les oreilles. J'ai les appareils, il n'y a pas qui marche. Je vais te dire, entre nous, tant que t'as encore des couilles, ça ira. Et tu sais ce qui m'est arrivé en voulant acheter ça? Qu'est-ce que tu travaillais avant? Qu'est-ce que tu travaillais avant? Qu'est-ce que? Il travaillait. Chez Renault. Je travaillais chez Renault. Oui, mais... J'ai travaillé avant de revenir chez Renault, j'ai travaillé ailleurs. Hein. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais il a fini j'ai commencé à travailler 14 ans et demi. Ouais, ouais, si j'ai bonne mémoire, 14 ans et demi, quand j'ai travaillé comme apprenti boulanger. C'est ça, l'apprentissage, c'est bien ce qui me semble. Apprenti boulanger. Et mon patron m'a fait porter des sacs de farine de 5 kilos. Ah ouais, à l'époque, il m'a cassé ma colonne vertébrale. Ouais. Ah oui. Que je te dise une chose, ils veulent porter la retraite à 70 ans, mais ils ont le cul sur un fauteuil de cuir, ils n'ont jamais gratté de leur vie, et ils veulent décider à la place des gens. Ils ne savent même pas tenir un stylo en main. Ils ne savent même pas tenir un stylo. Ils ont une secrétaire à faire le boulot. Sauf pour signer des conneries, remarque. Hein, ouais. Je vais te dire, là, tu peux y aller, ils en connaissent un rayon. C'est le bureau de ce qu'ils ont. À porte-plume, c'est du chiquet, c'est pour le décor. Il y a une secrétaire dans le coin pour taper les trucs, mais lui... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, t'as joué à la roulette et t'as pas tiré le bon numéro. Moi, alors, hein. Vous étiez avec lui? Non, mais on se connaît depuis toujours. Ouais. Chaque fois qu'il y avait une manif, un truc comme ça, n'importe quoi, pour défendre les salariés, on le retrouvait au coin de la rue, à tous les coups. Bon. À tous les coups. Vous dites, il faudra le tuer. Non, on va pas le tuer. Regarde, tu vois, moi je marche aussi, mais de temps en temps, je m'assois. Hein? Eh oui, il faut. J'ai une drôle d'histoire, moi, avec ça. Pourquoi? Il y a une histoire qui m'a coûté plus de 1000 euros. Ah bon? Mais c'est bien, c'est comment? J'allais l'acheter là-haut. Boulevard Saint-Michel. Saint-Michel, ouais, ah bon? Et toi, tu m'avais donné l'adresse, là. Bah oui, aérospatial. Enfin, plutôt, je travaillais dans l'aéronautique. Et c'est devenu l'aérospatial. Mm-hmm. Et puis, bon, maintenant, c'est la retraite, hein. C'est la retraite, mais je suis un ouvrier. Hein. Oui. Un ouvrier qui a fini technicien. Oui. Et bien fier d'être ouvrier. Oui. C'est pas forcément la plus mauvaise période de ma vie. Oui. Au moins, on était solidaires, oui. on se défendait, hein. Oui. Et quand il y avait des coups durs, on retrouvait tous les copains. La preuve, vous voyez, hein. Lui, il était chez Renault à Billancourt, et moi, j'étais à l'aérospatial à Châtillon. Mm-hmm. On se rencontrait chaque fois qu'on défendait les gens. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, moi, je ne lis pas dans le marc de café, hein. Mais c'est sûr d'une chose, c'est que si les gens... ils sortent pas pour se défendre, c'est encore pire ce qui va leur arriver.
ça c'est sûr, hein. Parce que tout le système est mis en place pour écraser les salariés et les gens qui n'ont que leurs moyens pour vivre, disons, qui ne sont pas les riches de la société. Regardez bien. Revenez en arrière et écoutez ce que disait Sarkozy et regardez aujourd'hui où on en est. Et voilà. C'est mais simple. Pourquoi, ce que je n'ai pas compris, pourquoi est-ce que les gens lui ont cru ? Parce qu'il n'y a parce pas que de... les gens, à un moment donné, ils croient dans la possibilité d'un homme nouveau, un homme qu'on ne connaît pas, un homme qui va régler toutes les questions, mais ils oublient une chose, c'est que généralement, cet homme-là, s'il n'est pas un homme issu, si j'ose dire, du mouvement ouvrier ou social, c'est un homme qui représente le pouvoir, et le pouvoir derrière, il y est toujours. Mmh. Sarkozy ou autre, il y a le pouvoir, il faut le faire reculer. Oui. Et pour le faire reculer, c'est pas seulement Sarkozy. Oui. C'est aussi et d'abord Sarkozy. Mais c'est tout le reste. Oui. Tout le reste. Mmh. Un exemple, la Grèce. Mmh. La BNP emprunte à 1% à la Banque Centrale Européenne et elle prête à la Grèce à 15%. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Non. Vous voyez ? Non, il faut supprimer l'argent. Ça s'appelle de la spéculation. Oui. Ça s'appelle de la spéculation. Oui. Et si vous laissez faire la spéculation, ça s'étend très loin. Vous savez, ils ont réussi à mettre dans la tête des gens qu'à un moment donné, c'est les gens d'en bas qui décideraient. Oui. Mais vous croyez qu'ils décident ? Non. En réalité, non, ils sont téléguidés. Vous avez même maintenant des gens d'un niveau hiérarchique modeste, relativement modeste, par exemple dans l'éducation nationale, oui. des principaux, des recteurs d'académie qui appliquent la politique du gouvernement, même peut-être plus rudement encore que le gouvernement. Et pourtant, ces gens-là sont les gens qui travaillent, c'est pas des gens qui font rien. Mais on a réussi, dans les hautes sphères, à les convaincre qu'il fallait serrer les boulons. Sauf que les boulons qu'ils serrent, c'est pas les bons. Il faut de l'éducation, beaucoup d'éducation aussi. Parce que les médias, ils regardent, ils croient aussi. Bien sûr, mais les médias, regardez, le Figaro, c'est entre les mains d'Assaut. Oui. Regardez, même Le Monde. Oui. Qui est à la tête du Monde financièrement aujourd'hui ? Qui ? C'est un financier important. Ah. Oui, c'est un financier important et qui n'est pas de gauche. On a beau dire journal indépendant, n'empêche que si vous discutez avec les rédacteurs du Monde, ils vous diront non, je ne peux pas écrire ce que je veux. Oui. Parce que derrière, il y a la censure. Oui. Ben, c'est une censure insidieuse, oui. Mais c'est quand même une censure. Oui. Et tout est comme ça. Si vous voulez, si. C'est ça le pouvoir derrière, oui. Derrière Sarkozy. C'est pas seulement un homme, c'est tout un système. Ouais. Tout un système. Il faut le renverser. Tout. Les alternatives de la campagne. Un petit souvenir de Nicolas. Petite image, pauvre Nicolas. Je te prends le papier aussi. Il va être obligé de travailler, Nicolas. Au souvenir de Nicolas. Il va être obligé de travailler, Nicolas. Il va se lever tôt, Nicolas. Et bientôt, on va remplacer Nicolas par Hollande. C'est la même chose. Alors. Un petit souvenir pour Nicolas. Naturellement. Souvenir. Souvenir de Nicolas. Dans 4 mois, il n'y en a plus. On se débarrasse de Nicolas. Ah oui, il faut un souvenir. Un souvenir, s'il vous plaît. Les alternatives dans la campagne. Un petit souvenir de Nicolas, je vous donne 60. Et ça, moi aussi. Naturellement. Souvenir. On va avoir deux autocollants. Mais oui. Merci beaucoup. Les haltères dans la campagne. Là, c'est quoi Souvenir, pauvre Nicolas. Oh là là. Il va... Non, mais non. C'est pour ça.
ça qu'il est. Un petit souvenir de Nicolas. Qu'ils dégagent tous. Qu'ils dégagent tous. Les alternatives dans la campagne. On va l'avoir. Bonjour, monsieur Duplon. Comment vas-tu? Moi, je suis avec deux de mes fils sur quatre. Tiens. Il fait tout, lui, hein. Oh, hein, quand même, hein. Oh là. Bon, il n'a plus de place. Ouais, sec. À bientôt. Les alternatives à la campagne. Contre Nicolas. Un petit séduire de Nicolas. Bientôt, il sera plus là. Dans 4 mois, il dégage. Les alternatives dans la campagne. Ouh. Un petit souvenir pour de Nicolas. Lui aussi prend mon job. On partage. Souvenir. On boit pas, on goûte. Chine, hein. À la vôtre, hein. Bonne santé, hein. Million de francs, de Lorraine. Un vrai? Oui. Pas faux, hein. Et vous avez hérité quand? On a fermé la mine en 2004. Exactement le 24 avril 2004. Donc c'était, ça a duré? La dernière mine de charbon qu'on a fermée en France. C'était où? C'était à La Houe, le puits de La Houe. Dans quel... À Creuswald, en Lorraine. Ah. Oui. Et vous étiez dedans? Oui. Au fond. Au fond. Eh oui. 1200 mètres sous terre. Oui. Maintenant qu'on va fermer toutes les centrales automatiques. Exactement. Oui. J'ai une pensée pour les camarades de Gardanne, parce qu'à Gardanne aussi, à côté de Marseille, là, il y avait aussi une super mine. Oui. Et puis ils ont tout fermé. Mais eux, ils se battent pour aujourd'hui pour garder la centrale. Oui. La centrale électrique. Et le charbon, il était bon? C'était du charbon? Ben oui, hein. C'est simple. Les Allemands, ils exploitent nous le même gisement que nous on avait. C'est tout. Et c'est les Allemands qui l'ont pris maintenant. Oui. Et c'est les Allemands, ils exploitent toujours. Hein. Et nous on est comme des cons. Nous, il n'y a plus. En 10 ans, on a supprimé 15 000 emplois. De l'autre côté de la frontière, ouais, ils exploitent. La frontière, il y a un trait. Ouais. Il y a eu un trait et puis ça y est. Eux ils exploitent. Et toujours. Et nous, on est des cons. Ben, c'est comme ça. Il y avait aussi avec l'OTAN, quand ils ont mis en place l'OTAN, bon, De Gaulle est monté au créneau, mais nous les mineurs. Non, mais par rapport en 1924, mais nous les mineurs, et nous on savait. Il y avait un contrat entre les deux pays, et nous on a été blousés, on a été les dindons de la farce. Parce qu'on savait pertinemment qu'ils voulaient fermer chez nous et réouvrir en Allemagne. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc les patrons français vous ont trahi. Bah oui. Ah oui, hein. C'est le patronat. Mais c'est plus que le patronat, parce que c'est l'État. Parce que nous, on était quand même entreprise nationalisée. C'est l'État qui nous a trahis. C'est pas le patronat. Mais l'État a suivi le patronat. Et oui. Pourquoi vous attendez quelque chose de l'État qui, dans un pays où le capitalisme est triomphant? Mais nous, on s'est battus, hein. Nous, on s'est pas battus pour le capitalisme triomphant. Nous, on s'est battus pour les salariés, pour les travailleurs et pour les gens, c'est tout, hein. Nous, on s'est battus pour ça. Et chaque fois qu'il y avait des luttes, la lutte des mineurs, ça faisait peur à tout le monde. Quand les mineurs, ils partaient dans la rue, ça faisait peur à tout le monde. Et tous les politiques, quels que soient de droite, de gauche, parce que même les gens de gauche, hein,
parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas... qui nous disaient « oui, bonjour », et puis c'est tout. Hein. Mais on s'est battu. Et on se battra encore, parce qu'on n'est encore pas mort. Il n'y a peut-être plus d'actifs, on n'est que des retraités, mais on se battra jusqu'au bout. Et les enfants ? Jusqu'au bout. Et les enfants, on leur a appris. On leur a appris là, ce que c'est se battre, ce que c'est là. Et mes petits enfants, moi j'ai une petite fille, je lui ai appris. Le premier mot qu'elle m'a dit, c'est PC. PC, elle m'a dit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu me dis ? PC, elle disait PC, agisse, parti communiste, et on sera là. Et on sera là jusqu'au bout. Et nos gosses, nos enfants, nos petits-enfants, ça, petits-enfants, on va se battre jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, je fais pas du syndicalisme, je fais du syndicalisme à l'envers. Je me bagarre pas pour en avoir plus, je me bagarre pour qu'on m'en enlève le moins possible. Et c'est terrible. Mon père, mon grand-père, il se retourne dans la tombe. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. On se bagarre pour qu'on enlève rien. Mais c'est quand même... c'est pas juste. Et voilà, c'est comme ça. Avec sa pancarte, hein ? Oui. C'est beau, hein ? C'est bon, la commune est belle. Oui. Oui, ben écoute, je suis élu au conseil municipal dans ma commune, à Creusval. Oui. 14 700 habitants, et je suis seul élu communiste. C'est magnifique. Oui, ben c'est magnifique, mais c'est difficile parce que je suis tout seul. Oui. Je suis tout seul. Il faut préparer des cadres. Oui, je suis tout seul. Il faut former dans le marxisme à la française. Ouais. Pas l'allemande. Ouais. L'homme au centre et pas la machine. Exactement. Et là, c'est difficile, mais bon, je suis fier d'être élu. Parce que je suis élu par le peuple, par les mineurs. Tes camarades. Des mineurs, c'est nous. C'est nous. C'est. Comment je vais te dire ? C'est la plus belle des choses qu'on a. Notre corporation, on a tout fait. On a tout donné, on a reçu beaucoup, mais on a beaucoup donné. Et ça, c'est notre fierté. Et moi, je me bats pour qu'on reste avec ça, avec tout ça. C'est, je sais pas comment dire, c'est l'amour de la corporation, la fierté. Vous ne pouvez pas vous organiser maintenant pour produire différemment les objecteurs représentent. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on peut voir les mêmes rapports dans le. Oui, mais c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a plus cette unité, ce soutien, cette fraternité. Elle n'existe plus. Elle est. Les patrons, ils ont tout fait pour qu'on individualise. Et puis les jeunes là, et les jeunes, ils n'ont pas de boulot. Avant, les jeunes, ils venaient à la mine. Moi, j'étais avec des jeunes. C'était mon neveu, mon filleul. Et ils venaient, moi, je lui apprenais le boulot. Mais ça, dans une coopérative, ça peut être pareil. Il faut le faire maintenant. Il faut tout reconstruire, mais sur terre. Oui. Sur terre. Oui, mais ce qu'il faut aussi, c'est que les jeunes prennent en charge. Nous, on peut prendre en charge. Nous, on peut raconter. On raconte, on fait de l'histoire. Mais non, c'est les jeunes à prendre. Vous pouvez aussi éduquer. Mais on éduque. Mais c'est les jeunes qui prennent en compte. C'est les jeunes qui doivent prendre en compte. Et qui se prennent par la main. Et ça, c'est. Quand les jeunes se prennent par la main, c'est formidable. C'est le paradis. C'est le paradis. Le paradis, exactement. C'est le paradis. Que les jeunes. Eh oui. Bonne santé, hein. Et faut enlever la marque, ça fait un peu cloche, hein. Franchement, hein. Puis là où ? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Rien. Ça va être dur, hein. Ah oui, hein. On est là pour pleurer, hein. Mais c'est vrai, j'ai bien l'expérience de 79 avec Emilien. Ah ouais. Tous ensemble.
Résistance, tous ensemble. Résistance, tous ensemble. Résistance, tous ensemble. Résistance, tous ensemble. Résistance, tous ensemble. Oui. Moi j'ai dit à ma maman que j'étais à Paris, je veux pas qu'elle croie que je suis ailleurs. Mon père, il est venu en France, il a été obligé de travailler dans les mines. Parce qu'à l'époque, pour devenir, pour travailler en France, il fallait d'abord passer dans les mines, tel le cas des Polonais, des Italiens, des Tchèques aussi, beaucoup. Et au bout de 6 mois, quand il est ressorti, parce qu'il était maçon, il est devenu claustrophobe. Il n'a jamais plus voulu descendre dans un trou, même d'un mètre. Travail des mines, tu sais, franchement, faut le faire, hein. Répète. Je dis que les mineurs, c'était la conscience de classe presque spontanée. Presque spontanée. Tu trouvais pas un Polonais, un Italien, un Tchèque qui te parlait pas de la lutte des classes dans les mines. Automatique. Il faut chasser, c'est parti, l'UMP. C'est pas les immigrés qu'il faut chasser, c'est les banquiers et l'UNP. C'est pas les immigrés qu'il faut chasser, c'est les banquiers et l'UNP. Chasser, c'est les banquiers et l'UNP. C'est pas les banquiers et l'UNP. C'est pas les immigrés qu'il faut chasser, c'est les banquiers. Tous ensemble, front de gauche. Au sud de l'Italie, dans le petit, c'est déjà, j'adorais.
est beau, hein. Il est beau, mon copain. Ah oui. Hein, bah, vous pouvez filer parce que vous ne le verrez plus. Il ne sera plus président, c'est terminé. N'en veut plus. Tu viens de Corse? Oui, Corse. Alors? Tu connais la Corse? Hein? J'aime la Corse. Ah, c'est joli la Corse. C'est la Corse de la résistance. Oui. Alors? Hein? Qu'est-ce qui va se passer après les élections? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que le front de gauche soit de plus en plus fort, que ce soit une vague humaine pour remporter et réussir à gauche, vraiment à gauche. Et nous allons réussir. C'est avec le front de gauche. C'est la deuxième révolution française. Première 1789, oui. Deuxième 1830. Troisième... Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1830? Eh bien, on a renversé la monarchie, oui. Qui avait pris la place de Louis-Philippe Suffrat. Et c'est une révolution qui n'a pas abouti, qui s'est reterminée par la remise en place d'une royauté. Contrairement à celle de 1848, qui a mis en place une république, que pour 2 ans. Et après, c'est 1871, la commune. Oui. La commune de Paris. Oh, oh. L'indigné est là. Donc 1871, la révolution, c'est la commune de Paris. Mmh. Et puis après, bah, les grands mouvements sociaux, après, ça et va être 36. La République est arrivée quand définitivement? 1871, c'est la République définitivement. Donc il y a eu la commune pour amener définitivement la République. Pour mettre la République en place, c'est la commune de Paris, oui, tout à fait. Après, on reste en République, jusqu'à maintenant. Parce que nous on en a fait 5 et aujourd'hui on est là pour faire la 6e. Oui, parce que la 5e est devenue une féodalité, voilà. Financière. Exactement. Bien. Donc on veut faire une 6e, c'est pour ça qu'on est là. Bien. Voilà. Et pourquoi Résistance. Alors on annonce 120 000 personnes. Donc Mélenchon, enfant des Lumières, c'est en comparaison à la révolution de 1789. Où les révolutions de 89 et la révolution des Lumières. Pourquoi? Parce que c'était l'aboutissement. Les Lumières, ce sont les philosophes. Oui, je sais. Voilà. Mais, et 89 était l'aboutissement de ce mouvement des. C'est un régime qui s'en va. L'aboutissement, c'était la fin du régime monarchique. Et maintenant, on veut. Eh bien, la même chose. Ce sont les militants. La même chose, l'aboutissement du régime monarchique actuel. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Et vous êtes qui? Je suis Jean Châtelet, je suis conseiller régional en Basse-Normandie. Et de quel parti? Communiste. C'est marqué nulle part, mais moi je suis communiste. Pourquoi c'est pas marqué nulle part? Parce qu'ils sont tombés, les machins. Il n'y en a plus, cœur, ça. Mais comment ça... Voilà. C'est pas d'avoir les mots d'écrit qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est tout, voilà, ça y est, vous l'avez mis, donc c'est bon. Voilà. C'est quoi le constituant? Alors, la constituante, c'est le peuple qui réécrit sa constitution. Donc, on n'attend pas les élections, on n'attend pas que Mélenchon soit élu ou pas, on propose directement aux gens, on leur demande, à travers une votation citoyenne, s'ils sont d'accord pour réécrire la Constitution. Voilà, c'est le début du processus constituant. Et comment on peut le faire, pratiquement? Alors, il faut aller sur le site internet La Constituante en Marche. La Constituante. La seule.
ben on va s'organiser ensemble. On a une carte avec toutes les circonscriptions. Il faudra choisir un jour, un horaire que vous inscrivez. Et vous recueillerez des bulletins des gens qui sont soit pour, soit contre la nouvelle constitution. Voilà. Et donc si tout le monde est d'accord, eh bien c'est le but. On s'assied pour en parler. Et puis on lance un processus constituant. Voilà. Et vous programmez pour quand ce processus? Quand est-ce qu'on peut le faire? Alors nous on lance la votation citoyenne en même temps que les présidentielles, c'est-à-dire dans un mois. Bien. Voilà. Merci. Comment? Sébastien. Oh ben ça y est, c'est nous les stars, ouais. Ben Ali, il est parti. Michel. Oui, mais vous êtes le réalisateur. Comment? Non, je distribue. Ah, seulement? Oui, seulement. Tu n'aimes pas la classe ouvrière, camarade? Oui, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je demande. Ah oui? Vous savez quoi? Ah non, pas de. Et ce bébé, vous le tremblez d'où? Le petit bébé, vous le tremblez d'où? De Paris, là, on est parisien. Ah oui, parce qu'il y avait des lorrains à côté. Non, mes lunettes, les pieds. Bien. Et vous? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait après les élections ou juste avant? Après les élections? On a commencé déjà à ce moment-là. Voilà. C'est un tout. Il y a les élections présidentielles, législatives et la suite. Et la formation des cadres? La formation? Des cadres. Ah, la formation des cadres. La formation de la rue, l'éducation populaire, c'est ça que vous voyez. C'est très mince. C'est très mince. Non, c'est une bonne formation. C'est
Les cadres révolutionnaires, les informés, ils n'ont pas fait la révolution. Donc vaut mieux compter sur le peuple. Mais oui, mais il faut l'éduquer, ce peuple. Il s'éduque dans les luttes, dans les rassemblements, il s'éduque. Il y a des millions de gens dans ce pays qui sont en train de comprendre que la campagne du Front de Gauche est la plus utile pour battre Sarkozy. C'est la plus efficace pour faire rentrer le Front National. Ça se sent, ça se sait. Le printemps est pour dans 3 jours. Et chaque matin qui se lève, la lumière est dans son domaine dans la journée. La nuit se replie. Ben, je vais attendre. Derrière notre premier ministre français, parce qu'on attend de lui ce grand mouvement qui ne libérera pas seulement ce que nous sommes, mais partout où il y a des servitudes. Nous adressons notre salut fraternel et notre solidarité au peuple grec qui pâtit. Seule délégation de souveraineté du peuple ne sera jamais opérée sans qu'il ait été auparavant consulté par voie de référendum. Le bon endroit ici où a été juré une première fois le serment de se rassembler pour empêcher par tous les moyens dont nous disposons les fascistes de s'emparer de la patrie. Cette place où tout commence toujours et qui est le point de départ de toutes nos révolutions est d'abord de la première. Celle qui se fit en 1789 en abattant la citadelle des tyrans. Celle qui se fit avec des mots et des principes si grands qu'ils rendaient possible ce fait que depuis, il est possible d'être français où que l'on soit dans le monde et ici même en France, que ses parents l'aient été ou non. Du moment qu'on s'accorde pour dire et reconnaître comme égal quiconque comme nous dit liberté, égalité, fraternité. Ici parmi nous, l'ombre d'une femme, Louise Michel, à qui nous dédions. Voici que nous répondons à notre tour. L'appel de Jules Vallès et du cri du peuple qui concluait l'appel à la première insurrection par ces mots. Place au peuple, place à la commune, et nous ne disons rien d'autre encore aujourd'hui. Et nous ne permettrons pas que la recommence ici. Nous sommes une même famille. Peuple du Maghreb, peuples et nations, arabes, berbères, et nous, peuple français. Oui, on est tous frères et sœurs. Des armes, nous devons à nos enfants la paix des cœurs. Peuple français, médite à cette occasion la terrible leçon de ton histoire. Pour la liberté totale des consciences et des droits politiques. Là où n'a pas cours la fraternité, alors la France n'est plus possible. C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui,
dans cette France défigurée par les inégalités sociales, territoriales, culturelles, entre femmes et hommes, tourner la page une nouvelle fois de l'ancien régime, commencer un nouveau chapitre qui permettra, comme c'est notre tradition, divers que nous sommes, en refondant la République, de refonder la France elle-même. C'est nous qui inscrirons ce droit nouveau qui vient de propriété collective humaine des biens de base tels que l'eau et l'énergie. C'est nous qui donnerons toute sa place à la dignité de l'amour humain en étendant à tous les couples les droits qui s'attachent aujourd'hui aux couples hétérosexuels. C'est nous qui mettrons dans notre constitution le droit de décider de sa propre fin et d'être assisté lorsqu'on en décide. Et qu'il ne sera plus jamais permis de faire un lobby. C'est nous qui interdirons, sautant en cela un principe nouveau, qui interdirons une fois et pour toujours que le vivant soit breveté et des devoirs humains totalement accomplis. Nous, dans notre Constitution, nous regarderons tous les enfants qui nous sont donnés d'un même œil. En France, dorénavant, nés sur la terre de France, français, droit du sol intégral, responsable de l'écosystème dans lequel vivent tous les êtres humains, et sans lequel pas un seul d'entre eux ne peut vivre ni mener quelque querelle politique que ce soit. C'est pourquoi nous accomplirons notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. Nous proclamerons que les Français s'astreignent par leur constitution à s'acquitter de leur devoir en déclinant la dette écologique, et que plutôt que leur fichue règle d'or qui ne concerne que leur portefeuille, nous appliquerons la règle verte qui protège la planète. S'en débarrasser. Telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection si elle veut pouvoir ensuite se donner le grand rendez-vous de la révolution citoyenne. Machado, le poète, a dit que le chemin se fait en marchant. Cette marche, nous l'avons commencée depuis la nation et nous nous sommes retrouvés ici à Bastille pour une étape dont nous continuerons la trajectoire bientôt. De la Bastille des Révolutions jusqu'à la place de la 6e République. Nous sommes le cri du peuple, des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple, celui de la femme qui met au monde un enfant dans un camp de rétention. Nous sommes le cri du peuple, celui de l'enfant qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. Nous sommes le cri du peuple, de tous ceux qui prêts à apporter le concours de leur intelligence, de leur créativité, qui parfois menant bonne vie, refusent d'appliquer la morale de l'égoïsme qui dit « profite et tais-toi ».
portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. Vive la France! Vive la République! Vive la sociale! Des ouvriers.